Bienvenue à tous sur cette petite partie de Loco Roco. Bah, c'est la fête de la musique, j'avais envie de faire un petit truc spécial. Voilà, sympa. Donc voilà, je me suis dit, Loco Roco, c'est de la musique, c'est sympa, c'est visuel, c'est beau, c'est de la plateforme intéressante et tout. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de le faire avec vous. Le Loco Roco, oui, mais pas n'importe lequel, je vais jouer à Loco Roco Remastered. C'est-à-dire le Loco Roco qui a sorti sur PS4 il y a pas très longtemps du tout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Loco Roco, hein, évidemment, on va expliquer tout ça au fur et à mesure. Ceux qui ne connaissent pas vont adorer, ceux qui connaissent déjà vont adorer revenir dans cet univers. Donc, alors, regardez ça. Touk, continuez. Alors, je précise tout de même que j'ai déjà fait quelques niveaux et donc je vais commencer à partir du niveau 3 ou 4, je vais voir, parce que les premiers niveaux font plutôt office de tutoriel parce qu'ils sont très faciles. Le Koroko, c'est vraiment un jeu de plateforme, il est très simple au début, et puis après il y a des ennemis et tout et ça se complexifie, c'est pour ça. Alors le Koroko à la base c'est sorti sur PSP. Du coup, il y avait vraiment un vrai travail de remastered. Mais c'est vrai que on perd un petit peu dans le gameplay. Enfin, pas dans le gameplay, mais dans le sens du jeu. C'est-à-dire, quand on avait sa PSP et qu'on. Avec les gâchettes, en fait, on faisait comme ça et comme ça pour pencher le monde. Vous allez comprendre. Alors, carte du monde. Voilà. Alors, je peux faire quoi? On voit que j'ai déjà commencé. J'ai eu tous les moui-moui. J'ai eu tous les loco-roco. Là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est pas grave, je vais vous montrer tout de suite. Brrr, il fait froid ici. Ah, et en plus de ça, je commence par un niveau qui est un petit peu particulier, parce que c'est le niveau de la glace. Il y a des règles particulières dans ce niveau, parce que ça glisse, en fait. Mais c'est pas toujours comme ça. Donc, alors, comment ça fonctionne, Loco Roco? Déjà, Loco Roco, c'est un niveau, une musique. Une musique en yaourt. Il n'y a aucune musique du jeu qui veut dire quelque chose. Le gameplay est assez particulier. Ça ne se joue qu'avec deux boutons. Oui, oui. Regardez, je peux faire pencher, en fait, le niveau. Alors, sur PSP, parce que c'était sur PSP à la base, c'était pareil, hein, on avait l'écran là, et avec les gâchettes, on pouvait orienter le niveau. Et ma petite bouboule, qui est donc un Loco Roco, voilà, je viens de récupérer quelque chose, je vais tout vous expliquer, va glisser ou rouler dans le sens où je dirige. Donc, si j'appuie sur les deux en même temps, il saute. C'est-à-dire que si je fais comme ça, hop, j'appuie sur l'autre, il va se mettre à sauter. Donc c'est vraiment hyper simple au niveau du gameplay. Alors, quel est le but de Loco Roco? Le but de Loco Roco, c'est un jeu, comme je l'ai dit, c'est un jeu de plateforme. Donc, le but de Loco Roco, c'est de la plateforme, tout simplement. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer plein de petites boules. On voit que mon Loco Roco, pour l'instant, il est... Voilà, on a une petite boule ronde jaune, on dirait un jaune d'œuf. Et en fait, le but va être de le faire un petit peu grossir. Pour ça, on va ramasser les petites fleurs rouges qui sont là-bas. Alors, ce que j'essaye de faire là pour l'instant, regardez, vous voyez cette pousse-là? On voit une espèce de plante là-haut qui essaye de pousser. Ah voilà, j'ai vu ça déjà. Et bien en fait, ça, c'est une de ces plantes que j'essaye d'obtenir, mais j'y arrive pas. En fait, il faut bien que j'amorce ma glissade. Ah, là, ça va le faire. Regardez. Ah, là, je l'ai touché, donc je l'ai fait pousser. Mais maintenant, c'est pas fini. Faut que je la mange. Pour en obtenir tous les bénéfices. Et voilà. Tiens, je vais aller voir là-bas, on sait jamais. Il y a rien là-haut. Non, il y a l'air de... Non, je crois qu'il y a rien. Donc, voilà. Ce qui veut dire que là, depuis le début, j'avais un Loco Roco au début. J'ai bouffé 4 trucs. Enfin, 4 petites... 4 espèces de bulbes rouges. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec... Alors encore un, je me retrouve avec 6 Loco Roco. Voilà, principe de base. Mais c'est pas tout, mais on reparlera des autres règles en évoluant dans le niveau. Donc il y a plusieurs parfois chemins, il n'y a qu'un chemin on va dire principal, mais il y a des petits raccourcis qui peuvent vous amener à trouver des trucs un peu particuliers. C'est-à-dire là par exemple là-haut, vous voyez là-dessus, je suspecte le secret, hein, c'est le truc est un peu caché, il est en hauteur et tout. Donc je me dis qu'ils ont peut-être planqué quelque chose là-haut. Donc voilà, on le voit, il y a de la plateforme là. Il y a de la plateforme et il y a, entre guillemets, un ennemi. C'est
Un espèce, une sorte d'oursin. Voilà, si je touche machin là, ça pique. Hop. Voilà, je récupère bien les petites mouches. Ah, non, 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 non. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir y revenir. Et là, ah oui, bah oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là, du coup? Regardez, il y a plein de petites bouboules, on dirait des petites crottes de lapin. Et bah, parce que mes locos-rocos, qui sont sous forme de gros machin, quoi, je peux les faire se séparer. Ah, ça y est, j'ai eu ce que je voulais. Voilà. Je peux les faire se séparer et les contrôler tous en même temps. Mais comme ça, c'est pareil. Donc, voilà. Et j'ai trouvé un moui-moui. Un moui-moui, c'est ce truc-là. À quoi ça sert, un moui-moui? Eh ben, ça sert à te donner des objets, tu vois. Voilà. J'ai eu un objet de maison Locoroco. Pour l'instant, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Je vous expliquerai tout ça dans un autre temps. On verra ça plus tard pour les objets. C'est une sorte de mini-jeu. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai ramassé là. C'est-à-dire le moui-moui et j'ai eu une plante pour me faire grossir. Ça c'était juste le truc annexe. Ce qui fait que c'est vraiment important de fouiller partout. Et surtout que, on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir des secrets un peu partout dans le niveau. Ce qui veut dire que dans un Locoroco, bien se balader, bien fouiller, ça veut dire taper partout. Ça veut dire sauter partout. Parce qu'il y a plein d'endroits inaccessibles. Il y a plein d'endroits où... Regardez, hop, on va essayer d'y aller. Hop, il y a plein de droits où pour trouver une plante, un moui-moui, n'importe quoi. Et bien, il faut passer par un mur qui en fait est. On peut le traverser. Voilà. Donc, faut vraiment regarder partout. Faut essayer de tout taper. Voilà, regardez. C'est pour ça que là, je fais par exemple des choses comme ça. Et c'est super intéressant. Il y a plein. En fait, le Locoroco, c'est hyper coloré. Mais vraiment, c'est coloré de ouf là. On le voit de toute façon. Hein. Et vous voyez, les mécaniques sont hyper sympas, je trouve. C'est des mécaniques de plateforme simples, mais elles sont amusantes. Alors là, regardez. Non, il n'y a pas... Alors, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, c'est bizarre. Oui, alors quand il dit Ougli, ah putain! Voilà, alors bon, voilà, au moins ça m'a permis de me montrer ce qui se passe quand je me fais toucher. Je ne meurs pas tout de suite. Je meurs pas tout de suite, je perds en fait un Locoroco. Voilà, je vous rappelle que je suis composé actuellement de 10 Locoroco. Si j'en perds un, je terminerai pas le niveau avec mes 20 Locoroco. C'est quand même, ça fait partie du but du jeu quand même. Hop, voilà. Tiens, regardez ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie des endroits invisible en fait, donc il faut y aller, faut avoir du flair et se dire il y a peut-être quelque chose ici. Hop, voilà, c'est fait. Alors je vérifie encore parce que des fois il y a des secrets cachés dans des secrets, intercepts secrets, je sais pas. Donc je fais bien attention à ça. Hop, on prend bien les petites moumouches parce que à la fin du niveau il va y avoir un petit compte de tout ça et on va nous dire ce qu'on a trouvé. Donc voilà, alors là. J'avais décelé la petite plante là-haut. Voilà, ce qui me fait 13 Locoroco. Ouh, ça porte malheur. Hop, voilà, tac. Voilà, regardez. Attends, je me dis... Ah, voilà. Là aussi, je me suis dit, c'est bizarre, c'est tout. C'était tout plat au-dessus de moi. Il y a peut-être quelque chose de planqué. Effectivement, je tape. Poc. Et voilà, je trouve une zone secrète, encore une fois. Il y en a de partout, c'est vraiment. Et ce qui me fait 14. Allez, encore 6 à trouver. Ah, les ennemis, les Moja. Voilà. Bon, alors les Moja en fait sont assez dangereux mine de rien. On l'a vu, il va te choper et il va te bouffer un Locoroco. Tu as quelques secondes pour lui taper dessus avant que ton Locoroco soit définitivement bouffé. Si tu lui as réussi à le taper dessus en lui sautant dessus comme ça, tu peux récupérer ton Locoroco. Sinon c'est pareil, il est mort et tu devras faire le jeu sans. Et non, je ne veux pas aller là. Alors, il va falloir se méfier parce que je vois que là-haut, il y a quand même des dangers. Je veux ça, moi aussi, là. Regardez, là, il y a... Voilà, bien, bien, j'en ai dû... J'ai déjà eu, hein. 15. J'ai vu qu'il y en avait un autre là-haut. Eh. Alors, je sais pas si j'ai eu tous les trucs. Je pense que j'ai raté quelques plantes à loco, là, les plantes rouges. Mais il m'en manquera pas beaucoup, hein. J'ai bien bossé. Voilà, allez, allez, allez. Voilà, hop, 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 hop.
Non. Là, je crois que je me souviens, il y a quelque chose là-haut. Eh ouais, regardez ça. Eh, c'est ça le vrai chineur Locoroco, quoi, tu vois, moi je connais à force. Je connais tout des Locoroco. Alors, il va falloir se méfier par contre parce que il y a des oursins. Voilà, moi j'appelle ça des oursins, ces ennemis. Ah, il n'arrive pas. Et ouais, les musiques sont assez particulières, il y a une ambiance vraiment spéciale. Et je le disais tout à l'heure, il y a une musique par niveau, hein. Il y a... Oh, doucement. Ouh. Allez, là il y a un mimoui. Ah, c'est ça. Une musique par niveau, et chaque niveau a une identité. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que c'est vraiment les Locoroco qui chantent. Parce que, regardez, si vous regardez sa bouche, ouais, c'est lui qui chante. Et si je les disperse, si je les transforme en petites boules, et ben on voit que encore une fois, ils chantent tous ensemble. Voilà. Allez, hein, vous inquiétez pas, pas besoin d'avoir peur de faire Oogie Oogie, on se casse. Donc voilà, je reviens ici. Et cette fois-ci, je passe par là. Voilà. Donc là, on me demande juste d'un simple appui sur une petite touche, tac, de disperser mes Locoroco. Si j'en ai suffisamment, je peux même récolter toutes les mouches, là. Enfin, pas les mouches. Si, je crois que c'était des mouches. Je crois que les trucs rouges sont des mouches. Oui, là, c'était des mouches. Ça se voit pas, mais c'est des mouches. Alors là, il n'y a rien. Tiens, c'est un truc comme ça. Est-ce que au sol, je me souviens plus si c'est possible d'avoir quelque chose au sol. Ah, alors qu'est-ce que c'est ça? Tiens, vous avez vu, il m'a demandé 5 Locoroco. J'en ai largement assez. Donc, je laisse faire. C'est-à-dire, je touche plus à rien. C'est une des interactions possibles avec l'environnement. Des fois, voilà, on peut chanter pour d'autres créatures. Et du coup, j'ai eu un objet de leur part. Tiens, ça aussi, les petites plantes, là. Je laisse faire mes locoroco, regardez. Il va creuser dedans tout seul. Il est en train de faire... Et hop, il m'a chopé quelque chose. Il m'a chopé du poing, je crois. Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus. Non, je crois que c'est bon. Alors, je vais, comme d'habitude... sauter là-bas, on sait jamais s'il y a quelque chose. Ah. Alors, toujours vérifier en hauteur s'il n'y a pas un passage secret. Parce que là, regardez, comme le niveau se dégonfle, on va dire ça. Hein. C'est pas évident de vérifier. Ouais, non, je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, il y a peut-être des secrets cachés au fond. Bah voilà, tiens. 18... Oui, allez, c'est cool, hein. Ça veut dire qu'il m'en manque vraiment pas beaucoup. Je sais pas si je vais tout obtenir, mais je serais dégoûté si c'était pas le cas. Allez, là-haut, là, il peut pas y avoir un truc. Je sais pas si je peux sauter là-haut. Ah, ouais, j'ai quand même envie de savoir, mais ça me semble un peu inaccessible. Hein. Alors, oui, plus il est gros, plus il est. Voilà, plus il est un peu. Il devient un peu difficile à. Ouais, bon, on va l'éviter. Il devient un peu difficile à manœuvrer, quoi. Comme dans la vraie vie, quand t'es trop gros. Puck, bon bah je crois qu'il y a rien. Allez, sinon je saute quand même tout ça, comme ça. Voilà, non, là, non, il y a rien ici. Là, ah, bon bah ça c'est la fin du niveau. Hein. Voilà, ça veut dire que je n'aurai jamais visiblement tous mes Locoroco. Je vais voir au bout quand même s'il n'y a pas un petit passage. Non, bon bah voilà. Il me manque deux bouboules. Je l'avais dit. Mais ça va, j'ai bien fait le boulot. J'ai dû récupérer toutes les mouches par contre. Et puis ouais, bah voilà, j'ai loupé deux Locoroco, mais c'est pas grave. Et j'ai eu deux mouimouis, il me semble. Donc j'ai loupé des mouimouis. Donc voilà, là il y a le décompte, on les plombe. Ah, une bouteille, poc, on met le petit bouchon. Voilà, par contre, perfect, j'ai eu toutes les mouches. Et non, il y avait. Il y avait 3 mouimouis, alors il y a toujours 3 mouimouis à trouver. Mais il y avait 5. Trésors, 5 cadeaux à trouver ici et je ne les ai pas eu, j'en ai eu 3. On voit mon temps, des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se déroule un niveau de Locoroco. Vous allez voir que par la suite, ça va être complètement différent parce que l'ambiance change à chaque fois. Là, c'était la glace, mais à chaque fois, il y a un thème différent. Et il y a aussi d'autres choses, mais ça, on en parlera plus tard. C'est-à-dire, il y a peut-être plusieurs Locoroco. Rebonjour! Alors, j'ai débloqué un niveau. Voilà, tu as réussi. Cette quelle énorme créature. Merci.
Alors, donc on le voit, il y a des mini-jeux, hein. Mais il y a surtout la maison Locoroco. Alors c'est complètement accessoire, ça sert vraiment pas à grand chose. Je vous le montre quand même parce que bah, ça fait partie de, des trucs qu'on débloque, parce qu'on passe son temps à débloquer des objets. Bah en fait c'est ça, c'est qu'en fait on peut placer des objets. Voilà, un escalier, je le place là. Je sais pas, je peux pas le faire être pivoté. Bon, bah, voilà, je vais le placer là. Non, voilà, comme ça. Et en fait, commencer. Je peux faire apparaître mon petit Locoroco. Alors là, je le contrôle pas. Il va s'éclater tout seul. Et en fait, si je place bien mes objets, je vais être capable de lui faire faire tout un circuit. Là, on le voit. Il y a du vent et tout qui l'amène où il veut. Mais il y a aussi cette espèce de petit étard vert là. Ce petit étard vert, il dit va à droite. Ce qui fait que Locoroco, dès qu'il le voit, c'est comme les Lemmings, il voit cet objet, il va y aller. Et donc ça sert qu'à ça. Maison. Oh, mini-jeu, bah je peux vous le montrer, allez. Voilà, Gru Mini. Essaie d'attraper de Locoroco. En plus une partie. En fait, c'est pour ça que je chope des mouches. Hein, c'est pour jouer à ces jeux-là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Commencer. Voilà. Donc, on a plein de... Voilà, c'est en fait un... Comment on appelle ça? Vous savez ces arnaques qu'on a quand on va dans les vogues, des choses comme ça. Donc c'est exactement la même chose. Sauf qu'en plus de ça, c'est chiant parce que ça bouge. Donc regarde, on va essayer de choper le loco là, qui est là-bas. Voilà, lui... Oh putain, je suis bien placé là. Ah, je vais peut-être choper le truc bleu là. Voilà, j'ai eu le truc bleu. J'adore la tête du Locoroco qui avait l'air tellement choqué. C'est... Voilà, mais j'ai eu un truc. Un objet. Hey, c'est cool, j'ai eu un objet de maison Locoroco. Hop, on va à commencer. Ah ouais, d'accord, c'est un essai. Allez, on va essayer avec lui là. Hop. Quoi. Non. Oh putain. J'adore. Les trucs trop choqués, c'est. Je vais regarder, c'est beau, on voit une espèce de niveau sous les tropiques. Ça rappelle qu'ici, il fait pas du tout chaud. Hein hein, j'aimerais bien voir la plage, moi. Alors, hop. Ah là, regarde, ah, là, je vais la voir. Et là. Oh non! Oh, je l'ai eu! Alors, ça, c'est typique. Voilà, quand vous allez à la fête foraine. C'est typique. Vous allez prendre un objet, il est dans votre pince, vous le voyez, il est là. Rien à faire, le truc va se lâcher. Voilà, c'est comme ça. C'est de l'arnaque. Donc on le voit, il y a des petites étoiles sur les trucs qu'on peut choper. Y en a un qui en a une. Enfin, ça va de une à deux, à trois même. Et est-ce que... Oh, je crois que je vais l'avoir. Oh putain, je l'ai eu. Et bah, évidemment, si je prends un truc à trois, bah, c'est celui qui a le plus de valeur. Oh, et j'ai chopé un Locoroco pour la maison, ça veut dire que maintenant je l'aurai deux qui vont se balader. Ah, j'en ai chopé deux, c'est ça? Donc voilà, c'est ça. Trois? Mais c'est la fête! Et c'est comme ça qu'on doit pouvoir, en fait, habiller sa maison aussi, hein. Je crois que les yeux sont importants. Voilà, donc quitter la partie. Voilà, bon, il fallait vous le montrer. C'est vraiment annexe, mais... je suis ouvert, attends, j'ai réussi à les choper. C'est vraiment annexe, mais ça peut être rigolo de s'occuper, voilà, de la maison de ce Locoroco, de faire des petits jeux comme ça. Bon, on doit pouvoir débloquer plein de jeux. Je pense que plus on débloque de Locoroco, et plus on débloque de jeux. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, carte du monde, on va faire l'autre niveau, le prochain niveau. Donc, l'énorme créature. Oh mon dieu, c'est vrai qu'elle est grosse. Ah, il a chopé le Locoroco en vol. Ah d'accord, on est à l'intérieur. On est dans une grenouille géante. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est le bout de sa langue? Ah bah oui, parce que les grenouilles, elles ont la langue... C'est enroulé là, tu sais. C'est normal. C'est logique, c'est scientifique. Allez, hop. Bon, alors, regardez. Ah, il y avait une plante. C'est ça... C'est quoi? C'est sa colonne vertébrale?
Oh merde, j'ai pas réussi à choper le truc. Alors attends, voilà. Waouh. Y'a rien là-dedans, non. Et du coup, ce qui fait que... Bah le niveau, il sera tout mou partout. Bah ouais, on est à l'intérieur d'une grenouille. Poc. Poc. Voilà, déjà, on me donne pas mal de... De bouffe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez. Hop, rien de caché ici. Il n'y a pas l'air. Comme ça. Ça c'est super chaud aussi de les récupérer. On s'enfonce en fait. Hé hey. En plus, on voit pas toujours les différentes mouches. Bon, du coup, c'est pas choquant qu'il y ait des mouches en elle. Hein. C'est, encore une fois, c'est une grenouille. Ça va, c'est logique finalement. Attends, il y aurait pas un truc là. En dessus là. Je peux pas péter la paroi intestinale de la grenouille. Allez, attends. Je me demande si... Le sang, le petit, je sais pas, hein. Moi, il y avait un secret, non, on dirait qu'il n'y a pas de secret, je l'aurais planqué là, ouais, je sais pas, si j'ai été concepteur de jeux vidéo, mais voilà. Alors, visiblement, on n'y a que dalle. Allez. Waouh, oh. Ah, mais en fait, on peut sauter avec ces trucs. Ah, mais je savais pas. Regardez, ils sont tout mou. J'aime bien le Locoroco qui a l'air tellement choco là. Bon bah d'abord on va récupérer les mouches. Ah, ouais, on va pas aller de ce côté là parce que je crois que c'est la suite du niveau. Hey. Et voilà. Moi je suis sûr que tout en haut il y a autre chose. En fait c'est une sorte de flipper à le Locoroco. Hein. Pa. Et donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est rigolo, qui donne, enfin, je sais pas, qui donne un petit peu la patate. J'aime beaucoup les musiques de Locoroco. C'est un classique en même temps, mais ça fait plaisir d'y revenir. Bizarre jeu. Ah, faut surtout pas que j'aille là-bas parce que sinon je perdrais toute possibilité de revenir en arrière là et de récupérer des bonus. C'est un jeu qui est aussi, c'est un jeu de plateforme comme je disais, mais il est tellement original. D'ailleurs au passage, il y a le 2 là qui a été annoncé sur PS4, alors qui est sorti depuis longtemps sur PSP évidemment. Hein. Coroco, il y en a 3 non? Je sais plus. Non, je crois qu'il y en a que 2. Je sens qu'il y a 3 patapons et 2 le Coroco. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, patapons, un autre type de jeu que il va falloir que je vous présente bientôt. Basé un petit peu sur le rythme aussi. Bon, allez, mais j'arrive pas à sauter, voilà. C'est super galère. Ah, allez, ça y est, j'ai réussi, je crois. Oh, putain que c'était dur. Et j'ai déjà 14 locaux, un petit moui-moui. Voilà, maintenant vous savez que quand je récupère des objets comme ça, c'est pour la petite maison de Locoroco, pour qu'ils se sentent bien, leur faire un petit intérieur, voilà. Valérie D'Amido, rentre chez toi, pas besoin de toi. Hop, doucement. Voilà. Allez. Et là, on va passer dans les poumons. Voilà, je sais pas, ou alors c'est le sang. Voilà, c'est peut-être ça. Allez, alors, je rassemble les petits locaux. Ce niveau est vachement cool. Enfin, pour le coup, là, c'est... Ah. Oh. Il y avait un secret. Attends, il y avait un secret ici. Attends, mais il est caché de ouf. Non, je crois que je l'ai bugué. Ah non, attends, je sais pas, j'ai rien compris. Est-ce que j'avais vraiment bugué ou c'était normal ou pas? Je sais pas du tout. Ça m'a fait bizarre pour le coup, mais je sais pas. Vu que j'ai pu ressortir facilement, c'était peut-être normal en fait. Hein. Bon, j'ai dû louper quelque chose là. Alors tiens, des petits nuages. Ah, et bah lui, il en demande 10. On va lui faire un petit réveil bien agréable. Voilà. Alors pour l'instant ça se place, hein, c'est normal. Mmh.
Ah, la Ligue Quintero, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné un entonnoir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la maison des Locoroco, ce genre d'objet peut être intéressant parce que ça va m'aider à rediriger mes locaux comme je le veux. Attends, je peux pas sauter jusqu'à là-haut, là ? Non, y a rien, là ? Bon, là, y a rien. Hop. Ouais, non, 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 non ! Venez par là, venez par là ! Non, voilà, c'est bien. Ta saloperie, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Papa, il va vous éviter de vous faire mal. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Non ! Tiens, bim ! Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose là-haut. Allez, je continue, je roule. Allez, allez, c'est bien. Il y a une espèce de petite clotte là-haut, je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Oh. Là, je sens que j'ai de la rater un petit secret aussi. Hein. C'était bizarre cette petite plateforme qui était au milieu de rien. Ou alors c'était juste pour les mouches. C'est bizarre si c'est le cas. Ah, j'aime pas ça non plus là, parce que si je rate des mouches, je le vois pas tout de suite. Comme elles sont cachées sous la. Sous le truc mou. Ah, ça y est, ma. Voilà, il m'a pété, visiblement. Je pense que visiblement, vu comment ça a été illustré, la grenouille a pété les Locoroco. T'as remarqué, c'est quoi? C'est du vent, ça? Oui, on est d'accord, hein. Et il va falloir faire gaffe, il y a des. Hop! Mojo! Puck! Ah, c'est la fin. Donc, ouais, encore une fois, j'ai loupé des petits locaux. Ah, quoique, il y a quelque chose là-haut. Ah, là, si on me propose de grimper, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un petit secret. Voilà. C'est quoi? Oh, regardez! Oh, c'est mignon! Alors, ça. Voilà, en fait, c'est tout le temps, on rencontre dans ces bestioles, hop, elles peuvent m'aspirer et m'aider à atteindre des points trop hauts normalement. Et des fois, je peux même... Voilà, regardez, il y a un petit secret là. Eh, je disais bien qu'il y avait un petit secret, il y en a peut-être deux même. Ça se trouve, en fait, je pourrais avoir tous les Locoroco de la du niveau là. Bah, déjà, oui, c'est sûr, je vois qu'il y a une plante. Voilà, un moui-moui. Il me donne quoi, lui, hein? Un J. Et là, regardez, voilà, une petite plante. Ça va me donner 19 locaux. Plus qu'un. Et peut-être que, qui sait, peut-être qu'il est dans le coin, le dernier. Allez, assure-moi, mec. Donc voilà, c'est mignon, Locoroco. Alors là, regardez, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas quelque chose là, quand même. Non ? Oh. Non, il n'y a rien ici. C'est vrai ? Je veux dire que vraiment, je vais terminer le jeu avec... Enfin, le niveau avec 19 Locoroco comme un pauvre. Ah là, elle est plutôt... Plus qu'un... Ouais. Et après, on va redescendre et on termina... Petit niveau. Ils sont en train de faire du vol les trucs. Ouais, allez, encore une. Regardez, c'était mignon, c'était en forme de cœur en plus. Ah, raté. Doobie-doo. Ah là, c'est bon. Non, non, je veux pas aller là. Hop, il est très fort en hula hop, ce petit machin. Vous avez vu, il se met sur le dos. Ouais. Bon bah allez, on y go. Là, même là, il n'y a pas de... Là, non, 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 non. Je suis déçu. Là, non, moi, il n'y a rien. Allez, on termine le niveau. Je crois qu'on est... c'est le dernier niveau avec... celui d'après sera le dernier niveau avec ce type de Locoroco, c'est-à-dire les jaunes. On va changer de couleur et on va changer d'ailleurs d'ambiance musicale. Vous comprendrez bientôt. Alors, niveau suivant. Des mongeants partout court. Oui.
Ah là, ils disent toujours Dumas au passage. Ils aiment pas Alexandre Dumas, hein, je crois. Alors, on est dans le monde des mojas, c'est pour ça qu'il y a des mojas partout. Ah, regardez, regardez. Ils s'accrochent à moi, les saloperies. Ils m'empêchent de sauter. Mais si je saute pas, je fais comment pour récupérer mes trucs? Attends, attends. Si je me dé... Ah oui, d'accord. Chacun son bonjour. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Eh, mais je sais pas comment je... Oh là là, et lui là-haut, je fais comment pour l'avoir? Alors, je vais essayer de... Voilà, je vais essayer avec le Locoroco qui me reste, qui a l'air valide. Ah, il y a une plante là-haut, mon dieu! Alors, on va essayer de faire quelque chose. Et la caméra, par contre, ne me montre pas le loco qui est le plus intéressant, là. Bon, on va les faire revenir. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Non! Attends, non, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau. Il y a du sang! Il se barre tout seul! Revenez! Voilà, c'est bon? Allez, on repart tous ensemble. Est-ce que je peux? Ouais, je peux peut-être me recoller. Voilà, est-ce que je peux toujours sauter? Enfin, toujours. Non, je peux pas sauter. Putain, j'aurais pas dû me recoller, il y en a 4. Dire que c'est mort. J'avais pas vu, mais ouais, les deux que j'avais essayé de balader ont trouvé le moyen de. On trouvait le moyen de se choper des mongeurs, quoi. Alors là-haut. C'est bon, je l'ai eu. Ah oui, d'accord. En fait, c'est en allant dans la rivière de sang qu'on se débarrasse des mongeurs. Alors, avant de libérer le passage secret. Enfin, le passage. Pas secret d'ailleurs, le passage, tout court. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a. J'ai un peu peur là. Je sais pas, j'ai vu des oursins. J'ai un peu des jetons. Je crois que ces niveaux-là, en fait, appartiennent au thème des mojas et que à chaque fin de niveau avec un Locoroco, donc avec une sorte de Locoroco, on en a un. Ils sont un peu plus compliqués que les autres. Et puis oui, il y a une ambiance particulière, quoi. Allez, récupère-moi ça. Très bien. Allez, encore celle-ci. Pouk. Hop. Combien? J'en ai 9, c'est ça. Dites pas que là-haut, y a pas un secret. Je ne vous croirais pas. Allez, regardez. Bon, par contre, comment ça descend, ça? Ah, c'est trop tard. Genre, il fallait... ouais, mais je suis obligé pour passer. Ah, c'est bon. Et hop, encore un loco. Plus compliqué à obtenir, celui-là. Hein. Déjà que le passage secret... enfin, le passage est dur à voir. Alors, attends. Voilà, je suis censé sauter sur les petits trous. Voilà, qui m'emmène... Ouf. Oh, le concasseur, quoi. J'aime bien la musique. Très bien. Oh, Moja. Non. Oh, j'aime bien les Moja. Il t'agresse, puis il te laisse... Voilà, et vraiment, il s'approche de toi, il se barre. Puis après, il te réagresse dès que tu t'approches à nouveau. C'est très curieux. Ils ont peur, en fait, les trouillards. Oh, je l'ai eu. Oh là là. Oh, putain, ils sont vraiment bien flanqués, les trucs ici. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait une... Ça, là. Mais c'est super galère de l'atteindre, cette plateforme. Mais elle remonte. Déjà que c'est galère parce qu'elle est petite. Allez, remonte, s'il te plaît. Voilà.
je vais là parce que on a vu qu'il y avait un petit moui-moui. Allez, donne-moi un petit cadeau. Ah, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Très difficile de pas crever, d'ailleurs. Enfin, de pas perdre des locaux, parce qu'il y a des mougeants partout. Joui. Voilà, eh bien, on va regarder un petit peu là, s'il n'y a pas un petit passage caché quelque part, comme d'hab. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir redescendre. Hop! J'ai combien? J'ai 13 locaux au cours. Alors là, il va falloir que je... Voilà, bien sauter, mais pas trop non plus, sinon on se mange le truc. Oh putain! C'est super dur. Allez. Je roule à... Je ne veux pas rouler dans le sens de cette chose, de cette chaîne là. Aïe, attends. Là. Ne me la frêle pas. Ah là, je le savais. On les remarque, les secrets au bout d'un moment. Bon, évidemment, j'ai le Coroco, c'est un jeu que j'ai déjà fini à 100% sur ma PSP à l'époque. Donc je m'en souviens plus. Mais voilà, on a une habitude des Locoroco. Ce qui nous rend un petit peu paranoïaque parce qu'on cherche les secrets partout, même là où il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, sympa. Oula! Doucement, le concasseur. Je cherchais une petite plante, des fois, que... Allez, sautez. Non, y'a rien. Là, c'est chaud, non, y'a rien non plus. Ah, c'est de nouveau saloperie de... Ah non! Ah ouais, non, mais si en plus y'a leur papa. Comment je fais pour me défendre? Ah. Oh là là! Ah, attends, y'a la rivière de sang. Allez, il faut les noyer. C'est cruel ce jeu. Eh hey, regardez ça. Ah, il fallait le trouver celui-là aussi. Hop, rien d'autre. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rituel. Il va se passer un rituel là. Je vais devoir sacrifier des Locoroco. Je regarde ce qui se passe par là, vite fait. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai pas envie de me sacrifier de Locoroco? Non, je peux pas. Bon bah allez, hein. Avec des bougies et tout. Hop. Oh, regardez! C'est la lune. Je suis sûr qu'on peut chanter pour elle. Eh oui, regardez, 15! Eh, c'est la lune, c'est pas n'importe qui, hein. Alors c'est toujours la même chanson, tant que je suis avec ces Locoroco là. J'ai eu de l'eau, de l'air, je sais pas trop. Ma. Non, y'a rien là-haut. Et là, c'est bizarre ça là, non? Non? Là, je vous l'ai dit que ça rend parano ce jeu, tu vois des secrets partout alors qu'il y en a pas. Oh punaise, qu'est-ce que c'est? Tiens! Oh, qu'il est gros. Oh, je l'ai éclaté. Hein. Et il est décédé. Oh, j'ai eu un cadeau. Ainsi, quand on tue des gens dans cet univers qui a l'air si mignon, bah on gagne des choses. Il faut tuer des gens dans Locoroco. Attends. Ah, je vais monter parce que je sais pas, j'ai peur de. Si je vais chercher le cadeau tout de suite, de pas pouvoir revenir ici parce que je sais pas, il y a une porte qui se sera fermée ou j'en sais rien. Donc voilà, c'est ça le Locoroco. J'adore ce jeu, c'est fou, hein. Mais le Locoroco, c'est génial. Ah! Attends. Alors là, c'est chiant parce que.
Normalement, je les laisse tout seuls. Non mais qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui a... Mais arrête de te suicider. Je les laisse tout seuls s'occuper des petites plantes vertes, là, quand ils en voient. Mais là, il a décidé de... Ils ont décidé, c'est sur une petite plateforme. Et là, si je le laisse s'en occuper tout seul, il va faire n'importe quoi, regardez, voilà. T'es trop gros. Voilà. Oh, il y a que ça comme secret? Non, il y a forcément autre chose. C'est pas un secret pour ça quand même. Bon, bah, il y a peut-être que ça. On le verra hein, à la fin si j'ai pas de Locoroco. C'est possible que. Enfin, s'il m'en manque, je veux dire, c'est possible que ce soit là. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, une roue qui tourne. Voilà, je suis à la fin. J'ai pas tous les locaux. Et pourtant, vous avez vu, j'étais quand même assez méticuleux. J'ai regardé un peu partout. Mais voilà, il y a le mur que j'avais pas vu et qui recelait un passage où il y avait plein de choses. Bref, quand je l'ai dit, je les ai dit tout à l'heure, faire les 100%, des fois, ça peut être difficile vraiment. Il faut refaire les jeux, les niveaux 3 à 4 fois pour se dire, ah, mais d'accord, j'ai compris. Gris-gris de boui-moui. Pourquoi? Ah, par contre, j'ai eu toutes les mouches. Il me manque un objet. Je crois que j'ai eu tous les mouimouis. Ah non, j'ai eu deux mouimouis. Alors, on les voit ici parce qu'ils rejoignent le niveau. Encore plus de musique dans la maison de Locoroco. Ah! Oh oui, regardez! Les cinématiques sont très moches. Elles ont l'air un petit peu floues. Bah ouais, parce que ça vient directement de la version PSP. Elles n'ont pas été refaites. World Clear! Hey, rebonjour. Et voilà. Et j'ai gagné au monde le droit de passer au monde 2. Ah non, c'est toujours le jaune. Bon, pourquoi j'ai le jaune? Ah non. Voilà, des conversations entre Locoroco sont assez curieuses. Hein. La famille Locoroco s'agrandit. Et oui. Et donc la Locoroco rose, évidemment, c'est la fille. Et donc elle a des musiques un peu plus... Bon, on les entend. Elles sont un peu plus sexy, les musiques. J'ai du mal à croire que j'ai dit ça, mais en fait, vraiment, hein, c'est ça. Ah, bon, là, il n'y a rien. Ah, le petit secret. Une petite musique qui fait un tout petit peu française, je trouve. Tiens, regardez, il fait la gueule, lui. C'est genre, tiens, ne monte pas sur mon dos. T'aspect peu. Ah, il y a peut-être une plante à gauche. Regardez comme il n'a pas l'air content. Non, il n'y a rien. Oh là là. Ah, raté. Oh, ah non. Le mec, il est content parce qu'il a découvert le passage qu'il a déjà découvert 4 secondes avant. Allez, va dans la terre. Hop là, voilà, merci monsieur. Voilà, et je vais obtenir une grosse boule rose. Non, c'est pas ça, parce que j'ai... Non. Ah, mais attendez. Ah oui, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Donc je peux sauter sur les fleurs. Et aller chercher le moui-moui. Moui-moui. Ah, et de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait encore moyen de bouffer. Alors que normalement, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est la femelle Locoroco. Hein. Alors normalement, les femelles Locoroco, c'est comme les femelles humaines, n'aiment pas grossir. C'est là qu'on voit les différences entre les Locoroco et les hommes. C'est pas du tout la même chose. Allez, vas-y. Ah, c'est encore plus difficile à soulever, hein, t'as vu? Oui, j'ai grossi un peu. Oh non, non, allez, hop. Puck, voilà. Mais la musique est sympa. Encore une fois, voilà, essayez pas de comprendre les paroles, il n'y a rien à comprendre. Hein. Encore une fois, c'est du yaourt, ça veut rien dire du tout. Alors, yeah.
J'aime bien quand on m'en donne 3 d'un coup. Ah, alors, des petits ennemis comme ça, il y en a des fois. Alors, ils lancent. Ils sont vachement chiants. Mais on peut les neutraliser, hein, c'est comme les mojas. Voilà. Il m'a fait peur, ce petit con. Attends, on va essayer d'aller sur la plante qui est là-bas, parce que je sens le secret. Je le sens, le secret. Hop. Voilà. Non, y'a rien. Balonga. Je sais pas ce qu'elle dit. Balonga. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a trouvé un secret, j'en sais rien. Elle est contente parce qu'elle a trouvé des mouches. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui fait bien la différence entre les Locoroco et la femme. Hein, les femmes n'aiment pas les mouches. Je crois pas. Alors là-haut, non, il n'y aurait pas un truc. Là en bas. Non. Moi, je cherche partout. Ouya. La rouya. Bon, non, là, y a rien. Je perds du temps pour rien, moi. Il faut vraiment regarder partout, en vrai. Hein. Là-haut, il y a quelque chose. Et là. Non, 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 non. Je vais pas retourner là-dedans. Non. Voilà. Non, 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 non. Je suis c'est. Ah non, mais en fait, c'est normal. J'ai eu peur, mais c'est juste les plateformes qui se sont enfoncées. Oh, punaise. Ça y est, c'est bon. Oh, il y a un secret là-haut. Ouais, 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 je l'ai vu. Bon, j'ai été du mauvais sens parce que forcément, je pouvais pas le savoir. Allez, bim. Et toi, tu te manges ça. Voilà. Ça me fait 10. Le Kuroko, c'est pas mal tout ça. Ah non, le petit secret, je l'ai loupé. Attends, oui, douke. Ah, oui. T'inquiète. Putain. C'est dur de c'est dur de la conduire, la petite boule rose. Allez. Ça y est. Voilà, et en plus de ça, je gagne un moui-moui. Ouais. Il me donne quoi? Ah, des objets de plus en plus intéressants hein, pour la maison. Si je veux faire un petit circuit de Locoroco, ouais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, on va avancer un petit peu. Ah, elle a trouvé à bouffer. Oh là. Récupère ta mouche avant de partir. Et on va regarder en bas s'il y a quelque chose. Ah. Mouin, petit passage secret. Lui aussi, il était un peu plus dur que les autres à choper. Tiens, il y a une mouche blanche, donc les mouches à point. Ah, et en plus de ça, hop, un fruit. Bon, pour se repartir, ça a l'air d'être de le même trajet. Je vérifie là-bas s'il n'y a pas un nom. Bon, bah allez, on dirait qu'on va pouvoir avancer. Allez. Ah bien, on est bien. Bon. Si je reviens en arrière, j'ai quoi? Voilà, je vérifie juste un petit truc. Là, y'a rien? Non, y'a que dalle. Allez, on y va. On avance. Non, pas par là. Allez, la grosse! Il me manque quand même pas mal là. Hein. Je sais pas, peut-être que les niveaux vont commencer à s'allonger, je sais pas vraiment. Balonga, yeah.
Ah, je peux pas passer. Ah, d'accord, va falloir les faire sauter. Hop. Voilà, bouya. Ils disent bouya. Bouya. Voilà, doucement. J'aimerais pas en perdre une sur mon chemin là. C'est bon. La petite dernière là. Voilà, parfait. Ouais, parce que je rappelle que si il s'éloigne trop, je peux en perdre. Hein. Bon, là, il n'y a rien à récolter. On est bien de ce côté. Petite vérif ici. Non ? Non, que dalle. Ah ! Et on va l'entendre chanter du coup. C'est la première fois ça. Parce que moi, on a entendu le Loco-Roco jaune chanter. Pas celle-ci. Bon, pour ne pas l'entendre, cette chanson, faut vraiment être nul, hein, parce que je crois qu'il demandait quelque chose comme 5 Loco-Roco. Normalement, même si t'en as loupé quelques-uns, si ça se trouve j'en ai loupé quelques-uns, tu les as, quoi. J'en ai 13, on est quand même assez loin du compte. Alors, des petites... Alors moi, j'essaie d'aller en dessous. Non ! Il me propulse pas. Il y a forcément un truc. Ah ! Oh, à manger ! Elle a du mal à passer. Allez, allez ! Bon, on va y aller comme ça. Attends. Ah, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Allez, on roule. Allez bien, 14 Loco-Roco. Et on va aller voir. Là, il y a quoi? Et on l'entend qu'il chante. Le truc qui est dans le sol est en train de chanter. Oups. Elle a de meilleure humeur que celui qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ah là, merci, j'ai gentil. Hop là. Oh non, pas les mougeurs. Saloperie. Bon, il y a forcément un truc là-haut. Ah bah il y a le Moja. Ah, je me méfie, hein. Je sais qu'un Moja peut complètement foirer ma partie, quoi. S'il me bouffe, mais le Loco-Roco, je suis pas assez prudent. Oh, là il y a un truc. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. Ça vaut le coup que j'aille là-bas. Et il y avait quelque chose là-bas. Hein. On va y retourner. Comme ça. Oh, on est bien. Oh, il y avait une plante. Voilà. Allez, on va récupérer ça. Le temps que la plante, elle pousse. Hey, je m'en sors pas trop mal sur ce niveau. Ça va me faire 17 Loco-Roco. 17 grosses boules roses. Allez, va ma grosse. Bien, je pense que là j'ai tout eu, je peux tracer. Allez, rentre dans sa tourte noire. Ah, j'ai encore... Et en plus de ça, à l'intérieur, j'ai récupéré des Loco-Roco, il y avait une plante. Ah bah nickel. Ce qui fait qu'il me reste un seul Loco-Roco pour peut-être tous les avoir. Ce serait bien. Je suis à un Loco-Roco près, hein. je vais pas prendre le risque d'en louper un qui serait juste à côté. Bah, je peux pas remonter là-haut. Parce que là-haut, il y a un petit rebord, je me disais que peut-être ça pouvait être là. Bouya. C'est le Loco-Roco version Ali J, quoi. Bon, bah, je pense que je peux pas. Hein. Bah, non, je peux pas. Peut-être que... Tout en plus loin, peut-être, là. Alors, c'est chaud d'ici. Non. T'es trop grosse. T'es trop grosse. T'es trop grosse. Alors. Là, qu'est-ce qu'on a?
Il y a une petite plateforme. En bas, il y a du courant d'air, je sais pas trop ce que c'est. Oh, 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 j'ai les 20, oh mon dieu. Voilà. C'est bien. Et en plus, c'est la fin du niveau. Bon. Je vais quand même vérifier ici. On sait jamais s'il n'y a pas un mouimoui à trouver. Peut-être que j'ai réussi à faire 100% du niveau, quoi. Alors, là je sais, j'ai les 20. Puck. Oh, j'ai tout. Oh mon dieu, j'ai tout fait. Voilà, tu veux dire que j'aurais pas besoin d'y revenir ici. Bon, je vais m'arrêter là sur le Kuroko. Hein. Je trouve que c'était pas mal pour fêter musicalement la journée. Oui, parce que oui, c'est vrai que c'est... C'est pas qu'un jeu de musique, hein, mais j'avais pas envie de me retaper du Parapaz de rappeur, s'il vous plaît, ou ni du Guitar Hero, ni des trucs comme ça. Et puis je trouve que c'est très fun, c'est très festif. Je le trouvais parfait pour aujourd'hui. Donc voilà, merci d'être venu, puis à très bientôt, et puis des bisous, comme d'habitude. Voilà.